Et attention, j'ai pas appris ça dans une école de cuisine. Des dizaines d'années d'observation de la maman et des sœurs et de toutes les femmes nord-africaines qui sont des expertes en ça. Je pense que l'Algérie a ses particularités, le Maroc a ses particularités, la Tunisie a ses particularités, mais que après ces noms et séparations, bien que j'adore mon pays, que j'ai grandi dans mon pays, ces noms et séparations sont juste des créations politiques et qu'on est tous un même peuple et que le couscous est maghrébin et que le couscous est le nôtre. Après, ça dépend.